Viens, oui, si, ce matin, pas où, là? Hey, Marie Chantal. Chantal sans E. Mémé, mémé, c'est la malbaraise de braise, avec le caractère, le fort caractère et tout. Petit malbaraise sec. Une mémé un peu sévère et qui criait beaucoup. Allez, baigner, dépêche à ça, là! Il y avait quand même des moments où elle savait être douce, hein, heureusement. Mais très 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 souvent, on l'entendait crier. Mais parce que maman est ravage. Elle était dans une case à terre, mais c'est des toutes petites cases qui sont toutes jumelées les unes collées aux autres, avec un tout petit jardin devant. Elle avait un joli fangeant dans l'entrée de sa cour, voilà. Et puis il y avait aussi un manguier. Je me suis toujours demandé comment il a fait pour pousser là, parce que c'est tellement petit. Et elle avait aussi des grenades. Les grenades, quand tu es née, il y avait mémé. Et qu'elle se prenait, dit, viens, oui, si, ce matin, pas où, là? Avec son fouet, se faisait un petit fouet avec le bois de grenade. Oh, fais pas, ravage pas trop, parce que ça, la maman. Et le bruit que ça fait quand ça fouette l'air, oh, c'est horrible. Il y a des choses qu'on apprend sans que ça soit présenté comme une leçon, avec le grand 1, le grand 2, voilà. C'est des petites choses de la vie, c'est le partage, les moments de famille, et ben l'hygiène aussi, parce que du coup, j'entendais souvent crier pour dire « Allez baigner, dépêche à ça, là! Finir à 6 h, allez baigner! » Et puis aussi le matin, on se réveillait, il fallait passer le balai, passer la serpillière, ranger la maison. Ben, tout ça, chez mémé, c'était automatique. Et puis, il fallait chavirer le canapé à l'envers pour passer sous le canapé, les chaises, pareil. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages chez mémé, donc il fallait nettoyer tout le temps. Sinon, c'était le bordel avec tous les enfants et tout. Je ne saurais pas définir exactement une raison précise pour laquelle on aimait aller là-bas, quoi. C'est juste que bah, c'était chez mémé, quoi. Et puis, on aimait bien être là-bas. C'était ses feuilletons. Ah, feuilletons Santa Barbara. Amour, gloire et beauté. Feu de l'amour, voilà. Et reste tranquille, cause pas. Hein. Ou sinon, allez jouer dehors. Je gardais une image d'une femme forte. Elle a élevé 9 enfants quand même. Hein. Ben avec son caractère, forcément. Je ne sais pas comment elle a fait pour gérer avec le peu de moyens qu'elle avait. Franchement, moi, c'est un truc que j'admire, en fait.